Mesdames et messieurs, gros nouvelle show que nous portons pour vous sur Channel Pola, tvlacaillehaiti.com et nous comptons avec vous pour nous porter une vidéo ça pour vous. Et dans le moment où on a parlé là, il faut que nous disions la police qui a même sauté, crasé, canard plat là, côté où arrivé. Donc, mettez plusieurs bandits à terre, et divers bandits dans base en Jeff, dans le canard, mesdames et messieurs, que la police saute tout là. Et il faut que nous disions comme ça parce que c'est sans pitié et pour les bourreaux. Parce que depuis ces bandits, vous avez un pays à problème, pas de pitié pour vous. Et c'est zéro tolérance pour tout bandit, mesdames et messieurs. Et bien la police s'est frappé là à côté. Et bien plus passé 5 nègres là qui ont même fait vol et pour pays sans chapeau. Et n'a pas coup de patte dans la commune, quoi de bouquet, côté ambassade américaine, vite l'homme fait déporter ambassade là, ambassade fermée. Et bien tout temps, Américain là qui tape travail ambassade là mesdames et messieurs et ben yo déjà retiré koyo fait voile là et ben pour kayan tonton Sam parce que vite l'homme met pays a met tabac met quoi des bouquets à clamor sans jour et ben monsieur lui même fait qu'en fermer ambassade américaine là mesdames et messieurs et moun qui te gen rendez-vous et pour visa yo moun qui te gen rendez-vous Biden yo donc c'est vraiment désolé parce que ambassade là lui-même vite l'homme fait sous clouer là et ben vite l'homme monsieur montre vraiment pays ça c'est pour l'ilier vite l'homme montre c'est lui-même qui dirige pays ça vite l'homme montre très bien c'est lui-même qui met en pays ça mesdames et messieurs parce que et ça le vle c'est lui qui fait ça le pas vle c'est lui qui pas fait parce que il est du pouvoir c'est pour lui. Lido France LB, c'est affaire pâle. Lido Ariel, c'est affaire pâle. Lido un pile ministre qui n'a pouvoir Ariel là, c'est affaire pâle. Qui donc pouvoir, c'est pouvoir vite l'homme. Monsieur fait salve le, monsieur dirige Jean Levle, monsieur passe l'autre Jean Levle. Opération tap mené, monsieur dit France LB, posez piti. Sous même bouger, eh bien, ma plage tout voye sur de yo. Et puis, sortant de ya France LB, c'est bloqué opération. C'est bloqué lui. C'est bloqué parce que vite l'homme, monsieur censé et gen clé dada tout nèg yo nan men parce que c'est ancien collaborateur li, c'est ancien allié, je dis à qui nan pouvoir et yo kite l nan la ria et bel décider qu'en bezam. Bon, en tout cas, nous pral invite gen détail mesdames et messieurs, retirez la vidéo jusqu'à la fin. Bonne écoute tout le monde, n'ap tourner. Content, oui, vraiment nous content parce que nous te gen pile inquiétude pour mouvement Bois Caléa et bien nous la population vraiment qui voulait relancer mouvement Bois Caléa et bien dans on a parlé là oui nous apprenons au moins minimum deux bandits qui prennent le Bois Calé. Ça c'est une bonne nouvelle évidemment nous parlons plus de détails dans quelques secondes et puis pendant on a parlé là évidemment il y a une grosse tension là dans la zone tabac bah elle est tellement grave que même question ambassade américaine on connaît grand pile nous là qui peut-être attendre programme Biden pour ta partie pour ta quitter pour ta voyager eh bien pour qu'on y a la cause des tensions et sécurité là ambassade américaine décidé fermer porte là mesdames messieurs et de façon temporaire mais c'est sûr c'était son problème lié parce que j'en ai dit il y a monde qui était grand gain plan yo pour y faire affaire mais ambassade la fermer pour qu'on y a c'est sûr certain nous pas toucher ça pour vous, mais au-delà de ça eh bien oui faut poursuivre avec actualité hein parce que grand pile en pile en pile info et côté qu'il y a à peu près 3 membres gang canaran qui stoppé également au-delà de Dessao noté du qui prend la Bois Calé hein qui trois là donc stoppé là encore et ça là nous l'a salué frère pas comment négé français au plaisir dans le temps pour entrer la carrière aussi pour nous continuer informer de actualité à notre pays d'Haïti tant pour l'autre bord et ben n'a pas avec actualité à nous par rapport avec actualité dans notre pays d'Haïti côté que nous on a pas là et ben suite à mouvement protestation qui était gagné au niveau zone Tafoupé. Et nous, là, au niveau, justement, route nationale numéro 2, là, qui est bloquée, jeudi, mardi, à la population qui, justement, est rugée des barricades. Mais nous, quand tout dit, finalement, ambassade américaine qui ferme, comme on a parlé là, et par rapport avec Bandit, vite l'homme, et qui a tenu un pile tiré dans la parade et ambassade là, que finalement, personne n'a décidé de fermer, et bien, nous, quand dit, de façon temporaire. Donc, nous, on a parlé là, même les gens qui ont un passeport en dedans, qui ont cherché un passeport, ils ont pas accès. Donc, ça veut dire qu'on est là, si on a l'ambassade là, c'est sécurité capricée, agent sécurité capricée. Bon. Donc, chef de vie de l'homme, arrivé finalement, forcé, personnel à l'ambassade là, et service dysfonctionnel à la grave au niveau commune tabac, comme on a parlé là. Bonne vie de l'homme, peu contre le commune en entier, par rapport avec ce qui a passé dans le moment, on a parlé là, Dimi. Donc, et bandits qui continue à flyer dans l'actualité. Mais ou quoi bagaille ça c'est grand plus monde qui dit son blague parce que mesdames messieurs n'a pas rappelé nous là n'a dit c'est pays ça son pays théâtre là n'a pas gardé population récemment et mesdames messieurs qui étaient décidé pour dire bah demander grâce
et qui est allé devant l'ambassade américaine. En peu de temps, la police, et pour pas même dire, bon, pas dire que monsieur l'armée, parce que nous pas exagérer, mais quand même, ça, et là, nous, c'est pas des policiers qui ont débarqué devant l'ambassade là, bay moun yo gaz, ti bébé prend gaz, famanse prend gaz, hein? Jodi a la pour dire que vite l'homme a fait ambassade américaine courir. En sérieux, guys. En sérieux. Moi, comprenne que nous besoin bagay, nous besoin justifier un bagay. Mais, gros niveau, nous pas qu'à baisser tête, non. Gros niveau, nous pas qu'à pas faire, mesdames, messieurs. Film ça, c'est film que nous déjà, ouais, dans Netflix. C'est film que tout le monde déjà compte comment l'a terminé. Pas faire comme ça. Côté ti vite l'homme, t'es capable de bloquer l'ambassade américaine. Côté police, n'a pas rappelé que justement, non seulement grand pile policier qui devant l'ambassade de la cap bay sécurité, ambassade la propre sécurité, parle mesdames, messieurs. Est-ce que nous là, vous voulez faire quoi? Ti vite l'homme dernièrement, c'est dans le cachet, le décaché qui t'a parlé en cachette là, qu'on y a là, capable de faire mon ambassade américaine nous courir. En sérieux, messieurs, dames. Évidemment, ça sent pas bon, mais nous comprenons. En avance, frère, ça son film, c'est théâtre. Eh bien, dis-moi, je sais que vous comprenez, c'est qu'on s'en prie, mon compagnie, son théâtre, mais nous avons mis par rapport avec ce qui a passé là, et bien, ça s'est commencé, et ça s'est arrivé devant l'ambassade américaine. D'un côté, depuis aux environs 2 à 3 heures du matin, eh bien, M. Vitello nous a envahi en pile tiré, en pile détonation, pour que actuellement là, eh bien, qui poussait, qui est personnel, ambassade américaine, obligé, après que ils ont été réduits et personnels, eh bien, qu'on a là, ils ont décidé de fermer. Et temporairement, eh bien, les policiers eux-mêmes ont été obligés à essayer de camper en mode défensif. Et nous connaissons l'ambassade ça, côté que c'est plusieurs mille, plusieurs centaines de familles qui étaient justement rendues devant l'ambassade là, pour être capable de venir abriter eux. Mais je ne veux pas dire que l'autre réalité, même l'ambassade là, sans cela, pas qu'à résister. Côté que nous connaissons en dedans, il y a des soldats américains qui ont même en dedans. Mais vous avez l'ordre pour que vous êtes capable de riposter avec Bandio. Donc c'est la police nationale qui supposait justement essayer de riposter à Bandio. Donc ça qui vient pour c'est que c'est vrai que Bandio même, ils ont pas contrôlé le communal en entier. Donc ça veut dire qu'on y a la dîner, ambassade la fermée. Donc qu'on y a là, monsieur Fédor Aristide qui est dans le milieu là, quelques encore qui viennent dans la zone. Mais nous avons dit que c'est compliqué de temps à autre. Donc, juste dans le moment où je parle avec vous là, il faut voir qu'à peine de genoux, c'est tiré qui gagne dans la zone ça. Donc, qui côté ça parle, toutes ces questions sont toutes qu'on a demandé. Donc, jeudi, mardi à là, côté que nous livrons son lot et réalité, côté que l'ambassade américaine fermée dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Voilà, mais je nous dis, c'est ce que c'était. Et bon, son blague, son théâtre, son blague. Et c'est surtout les plates pour moun ça, où je connais un peu le monde qui attend. Qui peut être tapant pour quitter, il y a l'autre monde qui gagne projet, il y a gens c'est qui gagne business yo, qui veulent peut-être aller voyager. Et mais j'en nous dire c'est sûr certain, insécurité hein, il pas bon pour personne. Ça c'est sûr certain, il pas bon pour personne, mais en même temps tout me pas quoi activité l'homme, gain capacité pour ta bloquer ambassade américaine mesdames messieurs, ça me signer de ça, tout le monde connaît ça. Et c'est tout pas oublier que l'homme parle ambassade américaine, c'est tout en Haïti. Qui ça a été représenté pour l'ambassade américaine? C'est bon, petit bail qui petit, mesdames, messieurs. C'est sérieux là. C'est très sérieux. Et me dis nous, par contre, si nous avons une chance, mesdames, messieurs, comme si visualiser, elle fait une petite recherche pour nous, ça qui a passé en Afrique là, elle regarde l'autre média, elle a pris des choses très grave. Nous même Haïti, petit problème. Sérieusement, nous presque pas de problème comparé à problème qui est là tout bon en Afrique. Ça veut dire que les petits isolés, les petits lapli, petits volets, ça y a beaucoup de problèmes comparé au niveau de problèmes qui gagnent en Afrique. Nous avons parlé avec Lionel en privé, et bien nous avons dit, évidemment, nous n'avons pas dit sur les ondes, pour qui raison, nous n'avons pas dit sur les bagay, pour monsieur ça y a tout prendre, mettre dans la tête, pour ne pas faire vivre l'autre bagay. Est-ce que là? Mais c'est une façon tout simplement pour nous dire, devant problèmes sérieux qui gagnent là actuellement en Afrique, là, mesdames, messieurs, nous n'avons pas de problème. Mais c'est ça, son jouet lié. Son jouet que nous capables de résoudre comme ça. Ok? Oui, fais pas. On avance. Bon, nous allons comprendre. Et avant que je passe à l'autre information, monsieur Jean, qui c'est une simple formalité pour la police. C'est une simple formalité pour les militaires. Mais malheureusement, pas gagné en politique publique, pas gagné en volonté. Bon, côté l'État
pour que vous utilisez la force nationale pour que vous mettez la paix dans le pays. C'est bien malheureux, nous, là, vous retrouvez avec des forces étrangères pour arriver là, mais l'essentiel, nous, pour capable justifier une éventuelle force d'intervention, nous, là, Dieu, vous retrouvez en pleine confiance, il y a des actions. Ça cap agrandi territoire, ça cap conquérir des nouvelles, des nouvelles espaces de pays. Et bien, ça que là, ouais, vite notre gouvernement l'a prouvé, et qu'on a même ambassade américaine, il a exigé, c'est sous pression, d'après motif qui cause du tarif de fermé. Et nous, ouais, là, même de l'autre côté, ouais, ils ont gang six secondes là, qui est isolant, et bien, côté qui est isolant, il vient de commencer à l'aise, la parler, côté qui est, et même fait qu'on est, il n'y a pas besoin de pardonner à personne. Il n'y a pas besoin de pardonner, donc il y a un monde qui était acteur des apôtres, comme quoi il était capable de mettre tout ensemble avec pour craser le système, marcher pour le système. Mais, bon Dieu, on monte au cœur même, ce sont des 100 fois les lois qui auraient, il n'y a pas aucune logique, donc ça veut dire que c'est des mondes quand même qui supposaient aller dans la prison ou bien dans le cimetière. Ils ont fait qu'on est publiquement, il n'y a pas besoin de pardonner à mes peuples, donc ça veut dire, c'est ça jusqu'à présent, mais si on a essayé, prendre confiance de temps à autre. Mais même si toutefois que le mouvement Bakaléa est censé mettre question dans le dossier pour faire les bandits reculer. Oui, voilà. Et puis pendant qu'on a parlé là, mesdames et messieurs, c'est sérieux. C'est sérieux, du moins, ce que Jean-Odile Lanol. Eh bien, SOS qui est lancé. Dans le moment où on a parlé là, SOS a lancé dans la commune Taba et Lanol. SOS a lancé à l'instant même, évidemment. Et je pense qu'il ne faut pas prendre rien à la légère. Puisque les nous dit SOS, évidemment, c'est la population qui est en difficulté. Une fois de plus, balle à chanter la frépam. Et nous espérons qu'il n'y a pas trop de dégâts pour côté population. Mais SOS là, est bien lancé. Et d'une époque, nous préciser, jusqu'à présent, pendant la première vidéo, l'émission, bien tiré dans la commune Tabar. Bien tiré dans la commune Tabar, population pas à l'abri. Moun, sans cela, par contre, qui ça peut faire? Parce que agents policiers qui sont supposés sécuriser la population, ils sont censés même camper en mode défensif. Ils ne sont pas capables de lancer des opérations pour rentrer dans le fief. Et bandits, gang vite l'homme, qui ont la confiance de plus en plus. Donc ça veut dire, actuellement là, si l'ambassade américaine a pourri, qui sa population fait. Si l'ambassade américaine ferme. Mon cher, c'est sous bluff, mon cher. C'est justifié par Lionel. L'entendez, on lance SOS, on monte un mouvement de panique. Côté éviter l'homme, bon éviter l'homme, côté éviter l'homme, j'ai une munition. Côté, même si, bien sûr, ça a été une zame vraiment, munition, ça a tout le temps tiré matin, midi, soir. Avez dit, munition, ça a pas jeune fini? En sérieux. Pendant qu'on a parlé de ça, on nous quitte le dossier ça quelques secondes, mais on a quand même été dans le dossier éviter l'homme. Mesdames, messieurs, hier très tard, nous disons que justement, il y a un gros taureau, un gros requin, que justement, DCPJ a arrêté. Mais, parfois, là, il y a une impression que nous ne pas prendre ampleur. Nous pas ouais comme si nous pas aller dans niveau pour nous comprendre que c'est un gros coup de filet que la police fait là. À l'égard des tigres, qui ont 72 ans, et mieux que 74 ans, excusez-moi. Permettre que nous fassions des audios ça, qu'on nous comprenne davantage.